Et salut à toi, donc c'est Michael, je te fais une vidéo aujourd'hui pour te parler du financement à 110%. Donc en investissement immobilier, on entend parfois parler d'un financement à 110%. Donc je voulais faire une vidéo aujourd'hui pour expliquer exactement ce que c'était. Donc c'est quoi un financement à 110%? Un financement à 110%, c'est le financement par la banque de l'achat de la maison, des frais des travaux, des frais de notaire, des frais d'agence. Donc en gros, tu achètes la maison, tu la rénoves, tu vas chez le notaire, tu payes les frais d'agence et tu ne mets pas un euro de ta poche. Alors tu vas me dire, c'est pas possible, la banque ils veulent de l'argent ou quoi que ce soit. Non, c'est possible. Donc moi, dans mon exemple à moi, donc j'ai fait la demande, donc comme je t'ai dit, les dernières vidéos, je suis sous compromis de vente avec pour l'achat d'une maison ou ensuite que je vais louer ensuite. Donc j'ai réussi à me faire financer la totalité du projet, donc un financement à 110%. J'avais fait 5 banques, certaines ont refusé, certaines m'ont dit que c'était pas possible, que la politique de la banque c'était un minimum d'apport. Donc moi je me suis orienté vers une banque qui m'accordait un prêt à 110%. Donc j'ai quelques chiffres à te donner. Donc l'acquisition de ma maison, je te ferai une vidéo plus tard pour te montrer les travaux, je ferai une vidéo vraiment dans la maison où je filmerai l'avancée des travaux. Donc l'achat de la maison, je l'ai acheté 17 000 euros. J'ai fait des devis, donc j'ai plusieurs artisans, donc ça pareil, un conseil, hein, fais au moins 3 devis par corps de métier différent pour pouvoir vraiment comparer les prix. Donc les travaux, j'en avais pour 63 800 euros. Pour vraiment faire une maison de qualité, un appartement de qualité, pour avoir un locataire de qualité. Donc au total, ça me fait maison plus achat de la maison plus les travaux, ça me fait un montant de 4 800 euros. Là-dessus, il faut ajouter les frais d'agence de 3 000 euros, les frais d'acte notarial de 2 910 euros, les frais de garantie de la banque de 830 euros et les frais de dossier de 350 euros. Frais de dossier de 350 euros que je suis encore en train de négocier. Donc au total, j'ai un coût de projet, une enveloppe globale de 87 890 euros. Et en fait, ces 87 890 euros, c'est la somme que je vais demander à la banque. Donc la banque va vraiment me prêter la totalité de tout ce que j'ai à dépenser. Alors donc ça c'est une négociation qu'il faut faire avec le banquier. Donc certaines banques m'ont demandé de l'apport. Je leur ai expliqué que au niveau de mon apport, je préférais le laisser sur un livret A et le prendre au cas où j'ai vraiment dépassé les travaux. Bon là, les travaux, 67 000 euros de travaux, j'ai vraiment eu des devis et j'ai vraiment fait en sorte d'avoir des gros devis pour être sûr de, s'il arrive un problème, que j'ai suffisamment d'argent à débloquer. Sur les 67 000 euros, normalement, hein, 67 000 euros, oui, c'est 63 000 euros, si j'arrive à boucler le projet en dépensant que 50 000, je verrai au fur et à mesure des travaux si je peux faire des économies sur certaines choses, eh ben, je le ferai. Donc, mais j'ai vraiment emprunté une grosse partie pour être sûr. Généralement, il faut emprunter 10% de plus des devis pour vraiment être sûr de ne pas avoir de problème. Et même si je devais avoir des problèmes, eh ben là j'ai mon apport et là je peux inclure mon apport dans le projet. Voilà, je ne suis pas obligé d'aller demander de nouveau une rallonge à la banque et je ne suis pas bloqué. Les travaux peuvent continuer, je peux payer mes artisans et je ne suis pas bloqué pour la suite. Et ça, c'est très important, très très important d'anticiper, de prévoir un peu plus gros, quitte après à faire un avenant au contrat de prêt pour stipuler que tu n'as pas tout utilisé. Et là, la banque recalcule tes mensualités. Donc là, en fait, donc, coût de mon projet, 87 890 euros. Donc là, j'ai demandé sur 20 ans. Pareil, certaines banques en location, en investissement locatif ne veulent pas sur 20 ans. Ça, c'est aussi pareil, c'est une négociation qu'il faut avoir avec le banquier. Hein. Moi, j'ai dit que je voulais échelonner sur 20 ans pour justement avoir des mensualités du prêt plus petites et avoir un loyer qui soit supérieur, largement supérieur à mon remboursement de crédit. En général, j'essaye de faire en sorte d'avoir 70% des loyers qui remboursent le crédit, ce
qui me permet en fait d'avoir un surplus de trésorerie à la fin du mois et soit de le mettre de côté, soit en cas de coup dur ou en cas de vacances locatives, et ben j'ai pas besoin de mettre de l'argent dans ma poche. Donc voilà, c'est un dialogue à avoir avec, avec la banque, avec les banquiers. Toujours pareil, comme j'ai dit sur l'autre vidéo, le banquier a vu aussi que durant des années, je mettais de l'argent de côté, j'épargnais, donc j'avais un bon dossier. Il voyait que j'avais pas de crédit à la consommation ou des choses comme ça. Et du coup, ben voilà, j'ai pu négocier avec le banquier, j'ai pu négocier un taux plus bas aussi. Je ferai une vidéo sur la négociation sur les taux immobiliers. Les taux d'assurance aussi, en sachant qu'on peut changer après la première année, on peut aller à la concurrence pour les assurances. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire un financement à 110%. C'est la totalité des dépenses, la totalité des dépenses. Donc, et ce qui permet donc, comme tu déduis les intérêts d'emprunt, ça passe en charge, autant emprunter la totalité et échelonner sur une longue durée. Le coût du crédit, ce que tu donnes en intérêt, ce que tu dépenses en intérêt, va passer en charge et va passer dans ce que on appelle le déficit foncier. Donc voilà, c'était le conseil du jour. Si tu peux emprunter à 110%, emprunte à 110%. Si ça bloque et que tu as vraiment une bonne affaire et que tu vois que les banques vous disent non monsieur, là c'est pas possible, il faut mettre un minimum, toutes les banques te disent la même chose, et ben essaye de limiter l'apport à 5% du montant ou vraiment vous dites bah écoutez, bah alors je paye les frais de notaire et emprunter le reste. Voilà. Donc je te souhaite des bonnes recherches, d'avancer. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et que tu pourras comprendre ce que c'est l'investissement, le financement à 110% sur un projet d'investissement locatif. Je t'invite à aimer ma page Facebook MH Invest et ma page YouTube. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'investissement locatif. Salut !